C'est le coup d'envoi bis de la présidence danoise. Le Danemark a pris le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne et ce mercredi, il accueille la Commission au grand complet pour un lancement en grande pompe. Mais Copenhague a prévenu, ce sera aussi une présidence low cost et très soucieuse de son impact environnemental. C'est donc en bus que les commissaires sont arrivés sur le lieu de la rencontre. La première ministre Helle Thorning-Schmidt prend le relais de la Pologne en pleine crise de l'euro. Et bien que le pays n'ait pas adopté la monnaie unique, il espère faire aboutir le projet d'un nouveau pacte budgétaire. Nous examinons actuellement ce pacte budgétaire à 27, ou plutôt à 26, et le Danemark prendra sa décision une fois qu'il sera finalisé. Le gouvernement espère ne pas avoir à en passer par un référendum pour ratifier ce pacte censé durcir la discipline budgétaire dans l'Union. Parmi les autres priorités de ce semestre danois, la volonté de favoriser une croissance verte créatrice d'emplois.